Toujours le 25 décembre. Alors, il y a des questions que je me pose en fait. Des fois, je me demande si ça sert à quelque chose, toutes ces prières que je fais, ce que je demande à Dieu qui me donne du boulot, etc. Enfin, j'ai pas l'impression que ça me donne des résultats. Sauf que, bon, soi-disant ex-patron qui m'a viré le 15, le mec, hier, le 24 décembre, il m'a contacté pour me dire. Va chez moi, telle adresse. Ma femme m'a donné quelque chose. Un quart de poulet avec du riz et des pommes, des frites. Et un panettone. Bon, très bon, hein, mais le pas cher de chez Metro. Oui, c'est un petit peu si on donne le panettone éco plus, quoi. Bon, il va dire c'est un geste, il va me dire c'est bon, mais il épingle. Hein. Voilà, quoi. Déjà, bon, ça, je m'attendais pas. Mais il faut quand même savoir que ce type, le 15, il m'a viré, qu'il m'a dit qu'ils allaient demander mes services, et un jour, à 9h30 du matin, il me dit, dans une heure, j'ai besoin que tu sois, pour un travail, que tu sois. Donc le mec, il veut même pas payer ma semaine. Il est tellement pingre que le mec, il veut payer simplement les services que je pourrais lui donner, c'est-à-dire ou la journée, vous voyez. Il veut pas me payer par semaine. Donc vous voyez, je me dis, mais à quoi ça sert toutes ces prières, si c'est pour... Pour gagner quoi? Pour gagner quelque chose de... Encore pire. Donc ça veut dire que, je sais pas, j'ai l'impression que plus je prie, plus ma situation s'empire. Vous voyez? Bon, alors, je dis pas que j'ai pas passé un bon Noël. Non, je parle de ma situation de pas me faire virer, etc. Là, j'ai juste de quoi payer. Ça se trouve, il va dire non, c'est pas assez parce qu'on avait convenu 300. Bah, je vais dire que voilà, je fais virer, qu'est-ce que je fasse? Puis là, en plus, cette chambre, pour ce que c'est, ça vaut pas 300 soles, ça. Bon, voilà quoi. Donc voilà quoi, en gros, c'est ça quoi. Donc, ma vie elle est là quoi, je joue à un fil, j'arrive pas à trouver quelque chose de mieux. À quoi ça a servi d'aller prier dans des collines de prière, dans des collines, dans des monts, on va dire ça comme ça, au nord de Lima, à Comas. À quoi ça sert? Très franchement. Mon amie chrétienne veut qu'on y retourne, etc. Selon elle, parce que, bon, elle va du principe que si je suis célibataire, je me branle, je me masturbe. C'est pas bien, faut pas se branler, c'est pour ça que t'as de la malchance. Enfin, me prends la tête avec ça. Franchement, moi j'ai un côté spirituel, mais aussi scientifique. Je suis désolé, je suis équilibré 50-50. Je pense que dans la psychologie, si t'es célibataire pendant plus de 2-3 ans, puis que t'es pas du genre à tirer n'importe quelle gonzesse, ben c'est un équilibre. Je vais te faire ça, je veux dire, bon j'ai même pas dit elle parce que j'ai pas parlé de ma vie privée. Elle commence à avoir des. Je sais pas si vous avez vu mais bon, j'ai dû discrètement baisser le mobile. Parce qu'ici si on file les flics, c'est pas vraiment comme en France. Mais il faut quand même faire gaffe. Hein. Il y a eu quand même pas mal d'abus là. Depuis la dernière manifestation, donc ça devient la même chose. Hein. Voilà quoi, putain, fais chier. Voilà, je passe un côté, vous voyez, où ces connards, ils illuminent pas beaucoup, à part deux trucs. Vous voyez, ça commence à économiser, ils veulent économiser, vous voyez. Par contre, la grue, elle est allumée, à quoi ça sert hein. Vous voyez, c'est mis au milieu, mais c'est pas illuminé là. Bref, bon. Voilà, je sais pas franchement si j'ai trouvé du boulot. J'ai presque envie de quitter mon masque, je trouve ça me casse les couilles. Vous voyez la différence bronzé, pas bronzé quoi. Bon, chier quoi. Donc en gros, je bronze là et pas là quoi, c'est sympa quoi. Ah bah ouais, hein. On a l'air de crétin avec nos masques. Nous, ça fait 7 mois qu'on les a, jamais. Bon, les gens, je vous laisse. Hein, moi, je vais marcher jusqu'au bout. Hein, pas aller jusqu'au bout, donc... Allez, c'était ma bonne chance. Peace. Ça, c'est pour la chance.